Je pense que ça va être une très belle collection en fait. Donc voilà, je suis assez contente de la faire. C'est la première fois que je travaille avec Vincent Darré, le designer d'Ungaro. Donc ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Quand j'étais petite, quand j'avais 16 ans, on m'avait demandé de faire mannequin. Je me suis dit non, jamais de la vie, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Enfin, j'étais vraiment partie pour faire des études, etc. Et il se trouve que vers 19-20 ans, je suis revenue dans ce métier. Et en fait, j'avais plein de clichés, plein d'a priori. Et finalement, je me suis trouvée quand j'ai eu beaucoup de chance dans ce métier-là, dans le sens où j'ai fait des très beaux défilés, j'ai travaillé avec des grands photographes. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas que des jupes, des pantalons, c'est aussi un vrai travail. Et que, donc, ouais, non, c'est vraiment... J'aime bien ce que je fais, puis je peux pas vraiment me plaindre en fait, quoi. Je trouve que les filles qui sont là, genre je suis fatiguée, j'en ai marre, c'est un métier de merde, etc. Je trouve ça un peu craché dans la soupe, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voyager, qui aimeraient voir ce qu'on voit, aller à un défilé Chanel. Donc c'est assez exceptionnel, quoi. Donc j'ai choisi un destin un petit peu comme ça. Voilà, ça me ressemblait pas vraiment en fait de faire ça, puis finalement voilà, quoi. Donc je m'amuse et voilà. En fait, j'ai commencé médecine et finalement, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas vraiment. Et je suis montée à Paris pour faire une hypoca NBL, une prépa hypoca NBL. Et finalement, je ne me suis jamais présentée parce que je voulais faire plein de trucs. En fait, je voulais juste vivre, quoi. Et c'est vrai que dans ce métier-là, je me sens vivre dans le sens où voilà, quoi, j'ai l'impression de voir des choses. Et c'est vrai que je grandis puissance 20, donc... Donc voilà, mais bon, je serai pas tout le temps là et il y a un moment où je vous dirai au revoir et voilà. Ah, je crois qu'il faut y aller. Voilà, donc je suis désolée. Merci, au revoir.